Really? 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 Kiko tout le monde, Kimo ben ici. Nous sommes sur Fortnite comme promis. Et c'est pour les noobs. Prenez 50-50, comme ça vous êtes tranquille. Et j'ai sauté trop. Voilà, tu vois, preuve de la noob, on regarde pas la carte avant de sauter. Voilà, il faut aller là-bas au fond. Et c'est vrai que si vous savez pas vraiment très bien jouer et tout comme ça, je suis content qu'ils ont gardé le mode 50-50. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, t'as quoi toi? T'as quelque chose qu'ils veulent? Je crois que le petit s'est fait engueuler par son papa qui a demandé qu'il arrête de jouer, qu'il se déconnecte et voilà. Il fallait pas demander de voir ce que tu voulais en haut dans la chambre. Hein. What the hell is that? Oh! C'était quoi? Ça use. 4 km à pied, ça use l'essuyer. Hey! Bouge pas! Ils sont tous là! Venez, mes esclaves! Come here and I will heal you. Venez à moi! Vous êtes mes esclaves! C'est vraiment ça! Ah, génial! Oui, wouhou! Ah, c'est trop cool ce truc de glaçon là! T'avais pas envie de te faire soigner ou quoi toi? Non. Moment de panique par un noob. Ça c'est fait. Pardon? Je rigolais sur le Fortnite Battle Royale. Non, ce que moi je peux faire, c'est sauver le monde. C'est celui-là que je peux faire le plus, quoi. J'aime bien celui-ci, beaucoup plus... Il est mieux. Je suis désolé, il est mieux. Ok, voilà, on va commencer. Hein. Ne suffisent plus. C'est là qu'interviennent les refuges à survivants. Nous les déployons lors des tempêtes à très haut risque. Les survivants activent le refuge et attendent d'être sauvés. Malheureusement, ils sont vite endommagés quand le bouclier est inutilisé. Nous allons devoir réparer. Hey, c'est bon. Nous devons réhabiliter ces refuges si nous voulons sauver le plus de survivants possible. J'ai marqué l'emplacement du refuge sur votre carte. Rendez-vous au refuge et examinez la situation sur place. C'est ce que j'aime bien avec cette mode-ci, c'est que tu es obligé vraiment de fouiner partout et prendre presque tout ce que tu trouves pour continuer le jeu, quoi. Et ça, j'aime bien. Vous avez atteint le refuge. Utilisez le terminal pour lancer le diagnostic de votre cloche. Ah, cool, ils sont en mode pirate comme ça, c'est génial. Voilà! Même avec un refuge complètement débile qui vaut rien, j'ai quand même réussi à le faire. C'est un jeu, comme je dis, je peux faire celui-ci parce que c'est deux fois plus intense. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est un genre de... Je dis pas que c'est un RPG, hein, mais je dis que c'est un genre d'RPG. Mais c'est un qu'on connaît, qu'on voit rare. Parce que c'est pas open world, quoi. Et moi, j'aime bien, je trouve ça chouette, quoi. Et tes récompenses sont pas débiles, quoi.
Franchement, pour celui-ci, ils ont fait du bon travail. Le seul bémol avec qu'on joue cette partie-ci du jeu, bon, celui-ci est payante, bien sûr. Je crois que c'est 15 euros, 20 euros, quelque chose comme ça. Merci. Vous devriez prévenir le plus de monde possible de l'existence de ces refuges. Qu'est-ce que vous croyez? Nous planchons déjà sur une stratégie commerciale de grande ampleur. Pour le slogan, on partirait sur le refuge du plaisir, du désir, de la force. Des messages radio suffiraient, non? Dans ce cas, je connais le type idéal. À condition de le trouver. C'est bon? Ok. C'est que sur le côté Battle Royale, ils font deux fois plus de mises à jour, deux fois plus de nouveautés. Ah oui, et plupart de vos succès sont comme ça. Diamant comme ça. Et pas autant... À propos de Pop, j'ai eu beau tout essayer, rien ne s'est arrangé. Et je me suis dit, comme il y a plein d'éclairs dans la région, peut-être que je pouvais régler ça façon Frankenstein. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'aurais peut-être pas dû, mais il y a quand même du bon. Pop se souvient de là où il a vu l'animateur. Et si on le retrouve, il pourra nous aider à guider les survivants vers le refuge et les bases. C'est bon? Ok. Comme je disais, il y a moins de mises à jour sur celui-ci que sur le Battle Royale, que je trouve un peu dommage. Bon, je n'ai pas vu pour celui-ci s'ils ont fait un genre de truc qui ressemblait un peu à ce qui se passe pour la saison 6. Mais normalement, si je me rappelle bien avec celui-ci, ils font en sorte que le Battle Royale, ce qui se passe dans le Battle Royale, ressemble ici aussi. Mais je ne sais pas s'ils l'ont fait dans celui-ci parce que je ne vois pas vraiment des quêtes. Normalement, tu as un truc spécial, quoi. Et là, je le vois pas. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas encore fini tout ça. Mais si vous avez envie de voir plus, comme je dis, dites-le moi dans les commentaires. Je ne vais pas vous demander de vous abonner, de liker, de partager. Non, non, parce que c'est pas moi du tout. Non, mais je préfère que vous me dites dans les commentaires. Je détaillerai un peu tout pour vous. Parce qu'il y a plein de trucs à savoir, plein de trucs à apprendre et tout. C'est vraiment... Ça vaut la peine. Franchement, si vous cherchez un petit jeu qui est amusant et tout ça, celui-ci vaut la peine. Franchement, voilà quoi. Bah sinon, sur ce, bisous, bisous.